kamuina leo da kabuda gazali na kwa forma yai yai mukiza tapeni na biya yai ka biya yai pusse kwa ku ngisa paka kabine yai kwa yai babantu bantu kwa ku na kati tibo kwa ku pumba kwa ku menyenga bali na banda kuna ba uzuri kunyenga akakabazwa kaka yintu akaka ataki. C'est-à-dire, le véhicule, le grimel a été garé là, et le citerne de Nikongo, ça quittait là, ça faisait nuit. Ça quittait à la plateforme pour rentrer à la base. En venant là, j'ai venu damer sur le grimel, j'ai venu cogner là. Le citerne est allé le retrouver là-bas avec le feu. Et le chauffeur et tout, les portes étaient bloquées. Il n'y avait, plus moyen pour que ça soit à bord ou le chauffeur puisse sortir de là. C'était comme il y avait le feu aussi, donc il n'y avait plus moyen. Au moment qu'on entend appeler des sapeurs-pompiers, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Le véhicule avait déjà le feu. Les sapeurs sont arrivés la nuit. C'était vers 0h. Dans les 0h, les sapeurs-pompiers essayaient un peu d'arrêter le feu jusqu'à 4h. On nous a dit que quelqu'un était de bord. Oui, c'est notre frère, il s'appelle Arnaud. Nous, on était paniqués. Tout le village était paniqué. Tout le monde était là la nuit. De 0h jusqu'à 4h, on était là. Comment se sont passés, ils sont venus cogner le grume. Et le grume, on a basculé le grume qui est en haut, est allé cogner la cabine du chauffeur chinois. Le chauffeur chinois était dedans. Maintenant, il y a eu les gens qui ont écouté le coup. Ils ont couru, ils sont arrivés sur le terrain. Ils ont regardé le chinois qui était dans l'autre camion là, qu'on a cogné par le derrière, là, à terre. Ils ont rapidité le chinois. C'est là où le jeune arrive vite au niveau du village, nous dit, là-bas il y a un camion d'ennemi qui a fait un accident. Les jeunes ont couru. Alors tu regardes, il y a quelques secondes, quand tu as eu l'accident et le coup, qu'ils ont connu la grume qui était en haut, tout à quelques minutes, il y a eu le feu. Un grand feu, comme je te dis. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à l'intervention, les gardiens sont arrivés à l'intérieur, il y avait vraiment, c'était grave. On n'arrivait pas à atteindre ce feu, mais ils ont réussi à atteindre ce feu quand même, pour sauver les victimes. Mais les deux gardiens étaient bloqués dans le moyen, avec la ceinture de sécurité, et le chauffeur calciné, le bord qui est Mbumba Arnaud. Et M. Bibila a calciné, donc ça nous a fait un choc vraiment terrible. Et nous, on n'a pas dormi jusqu'à 5h du matin pour regarder ce qui se passait. Et les gars, s'ils n'avaient pas arrêté, aussitôt avec un tracteur qu'ils ont pris, une tractopelle pour arrêter un peu le gasoil qui se coulait là, on ne sait pas comment on allait être ici là. Mon Dieu, merci à faire, mais on a eu deux macabres. Quelle est la nature du produit que transportait cette citerne d'ennemis pour faire... feu tout de suite? Bon, c'est le gasoil, parce que ce citerne-là ravitaille les groupes électrogènes qui sont surtout dans les plateformes. Donc quand les groupes, on les démarre pour alimenter les plateformes, ils portent tout le gasoil, parfois 18 000 litres. Bon, ils sont allés libérer le gasoil. En remontant, c'est là où il y a ce coup. Tu sais, vous savez, hein, quand ça le coup, c'était très coup dur, ça s'est explosé, le gasoil a coulé sous le goudron.